You have been requesting more French speaking practices, so here's a new one. Hey everyone, if you're new here, I'm Dylan and I'm here to teach you and help you with your French. So, let's do it. The subject today is apprendre une langue étrangère. Learning a foreign language. If you've never watched one of my French speaking practices, we have 5 different steps. The first one, we are going to listen to the text that I wrote for you. I'm going to read it slowly and you listen to it. Then we have listen and repeat each word after me. Then listen and repeat each group of words after me. Listen and repeat each sentence after me. And then read the text at the same time as me. Basically, we are building up your pronunciation skills, your speaking skills. I'm going to take over the screen, try to follow at the same time as me, the little text. Apprendre une langue étrangère peut être difficile. Ça demande beaucoup de rigueur et de temps. Il faut d'abord apprendre la prononciation et comment les mots sont formés. Il faut s'habituer aux sons qui sont différents de notre langue maternelle. Comme je dis toujours, si on n'entend pas un son, on ne peut pas le prononcer. Ensuite vient l'apprentissage de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire et finalement des expressions. Les gens qui apprennent une langue étrangère ont souvent beaucoup de patience. Here's the English translation. You can screenshot it or you can pause the video or you can also just get the free PDF. The link is in the description box. You get the free PDF and you also get the free audio of the little text. Step number 2, listen and repeat each word after me. Let's go. Apprendre une langue étrangère peut être difficile. Ça demande beaucoup de rigueur et de temps. Il faut d'abord apprendre la prononciation et comment les mots sont formé. Il faut s'habituer aux sons qui sont différent de notre langue maternelle, comme je dis toujours. Si on
n'entend pas un son, on ne peut pas le prononcer. Ensuite vient l'apprentissage de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire et finalement des expressions. Les gens qui apprennent une langue étrangère ont souvent beaucoup de patience. Step number 3, listen and repeat each group of words after me. Apprendre, only one. Une langue étrangère. Peut être difficile. Ça demande beaucoup de rigueur. Et de temps. Il faut d'abord apprendre la prononciation et comment les mots sont formés. Il faut s'habituer au son qui sont différents de notre langue maternelle. Comme je dis toujours, si on n'entend pas un son, on ne peut pas le prononcer. Ensuite vient l'apprentissage.
de la grammaire de la conjugaison du vocabulaire et finalement des expressions. Les gens qui apprennent une langue étrangère ont souvent beaucoup de patience. Step 4, you are going to listen and repeat each sentence after me. If you need more time between the two sentences, feel free to pause the video. Apprendre une langue étrangère peut être difficile. Ça demande beaucoup de rigueur et de temps. Il faut d'abord apprendre la prononciation et comment les mots sont formés. Il faut s'habituer aux sons qui sont différents de notre langue maternelle. Comme je dis toujours, si on n'entend pas un son, on ne peut pas le prononcer. Fairly long. Ensuite vient l'apprentissage de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire et finalement des expressions. Les gens qui apprennent une langue étrangère ont souvent beaucoup de patience. And we're already at step 5. We are going to read the text together. I read it, I'm going to read it slowly, and you try to follow with me. I'm going to take over the screen one more time. Apprendre une langue étrangère peut être difficile. Ça demande beaucoup de rigueur et de temps. Il faut d'abord apprendre la prononciation et comment les mots sont formés. Il faut s'habituer aux sons qui sont différents de notre langue maternelle. Comme je dis toujours, si on n'entend pas un son, on ne peut pas le prononcer. Ensuite vient l'apprentissage de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire et finalement des expressions. Les gens qui apprennent une langue étrangère ont souvent beaucoup de patience. And that's it! Don't forget to get your free PDF so you get the PDF and the audio and you can really work on it on your own.
I hope you enjoyed this lesson. Let me know if you want even more of those. I can make more. And I will see you next Wednesday for a new lesson. À mercredi prochain.